Ik maakte ik een gids mee in Brno. Ik zie je het vrouwtje nog op ons toekomen. Zij was daar aangesteld en zij heeft het gedaan in dat Frans. Ik heb er een mooi nummer aan overgehouden. Hoe zag ze er weer uit? Wel, je kent al die Russische popjes die ze zo in elkaar steken. Kent u dat? Het grootste. En ze komt naar de bus toe en ze zegt tegen ons: Monsieur de dame, monsieur, je suis votre guide, je suis très content d'être parmi vous. Mon nom est Constance. Et je vais vous parler concernant. Non, oui, c'est ça, concernant de l'amour. Mesdames, messieurs, après moi devant vous, vous voyez l'amour historique de Brno. Et comme vous voyez, l'amour est fait autour d'une grande porte, mais la porte n'est plus là. La porte est déportée vers l'autre côté de la place, une place que nous consacrons à nos grands héros de la Révolution. Comme vous voyez, mesdames, messieurs, l'amour est fait du pierre rouge. Mais il n'y a pas de pierre rouge ici à Brno, sauf l'église protestante rouge. On a fait l'amour au 15e siècle devant Jésus-Christ. Et au 14e siècle, les Turcs sont venus. Ils ont démolisé l'amour et depuis des siècles et siècles, on n'a plus parlé de l'amour. Au 1960, on veut bien battre ici un grand hôtel pour les étrangers. Alors on a fait un trou dans la terre pour voir ce qu'il y a dedans. Et en croissant, on a retrouvé les fondants. Les fondants, creusant, oui c'est ça. Alors, nos archéologues sont très contents. Ils ont fait un grand lavement de la mur. Et alors, on a retrouvé aussi le tombeau du Freier von der Trenck. Freier von der Trenck, mesdames, messieurs, c'est un cheval. Chevalier. Ah oui, chevalier, c'est un tambour, pandour major. À ce moment bien connu à Vienne. Parce qu'à ce moment-là, vous avez là la Marie-Thérèse. Marie-Thérèse était l'impératrice triche de l'Autruche. Triche. Oui, c'est ça. L'Autruche de l'Autruche. Oui. Et elle a vu le frère et le frère à... Aviosier, ils sont très pour, ils sont pour tout aider. Alors, comme vous le savez, mesdames, messieurs, la Marie-Thérèse a eu 15 enfants. Et quand la 15e était née, François de Lorraine est revenu de la chasse au vol-au-vent. Et là, c'est les volailles. Oui, c'est ça. Il a dit, Marie-Thérèse, c'est assez avec vos enfants. Vous êtes déjà dans le Guinness Book. Alors c'était fini avec l'amour et elle a dit oui François vous avez raison. Alors elle est revenue ici à Brno pour reprendre sa vie bohémienne. Et cet après-midi, mesdames, messieurs, va visiter le chevalier von der Trenck. Ah oui, mais c'est le momie, hein. Seulement le momie, hein. Parce que lui est mort. Ah oui. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, mesdames, messieurs, on va se déplacer parce qu'on a retardé la circulation de Brno. Il y a encore des questions? Pas de questions? Non? Alors, merci, mesdames, messieurs. Suivez les guidons. Follow the guide.